Très très bien les exosquelettes des jambes, plutôt cool. GG, un mec brillant. Il en faut bien. J'ai l'impression que ça recentre aussi le centre de gravité. J'aurais pu réparer les caisses. Comment ça va? Ça va bien et toi? Parce que Merci, Sam. les caisses grises que tu vois sur moi, c'est du matos pour moi en fait. Parce que outre courir, il y a aussi des méchants à tuer et il y a des monstres pas cool qui détruisent l'humanité en fait. Et ces monstres pas cool, il faut les affronter. Déménageur éminent. Information en plus, c'est cool ça. J'ai déjà joué 17 heures. On verra à la prochaine livraison alors. Prenez soin de vous. Au travail. C'est gentil à vous, Sam. Culture sur coquille d'œuf. Merci pour votre contribution. Là, j'ai quoi sur moi? J'ai des grenades. Des poches de sang. Recycler là. Merci. Alors les vraies personnes en fait elles s'enterrent parce que comment expliquer? Les spectres quand ils rentrent en contact avec une vraie personne qui n'a pas le même pouvoir que moi, ça fait tout exploser. Ça fait des cratères. Du coup en fait les vraies personnes si elles sortent elles détruisent l'humanité. Je dis pas que mon perso est pas une vraie personne, c'est que moi en fait je suis contaminé. Du coup ça a pas le même effet sur moi. Et sur certaines personnes qui, comme moi, ont l'habitude de traîner dehors. On va dire ça comme ça. Je vais te montrer. Tu vois la carte? Tu vois les gros cratères là? Eh ben, c'est des cratères dus aux explosions des monstres. Il y avait certainement une ville ou. Parfait.
Merci pour votre contribution. Senseiya. Maintenant, sur l'embuscade. Faites bon voyage. On va aller sur un chargeur électrique parce que j'ai l'impression que mes exosquelettes de jambes fonctionnent à l'électricité. Putain, t'es largement plus stable qu'avant en fait avec ça. C'est dingue. Du coup, ma route, c'est pour aller là. Et comme dirait ma grand-mère, le plus rapide, c'est la ligne droite. Et du coup, ton personnage peut trébucher sur des cailloux, peut plein de choses en fait. Ah, il y a déjà une échelle. Été posé à la bite. Putain, mais quel abruti pose une échelle comme ça, quoi. Ah merde, on est dans un territoire. D'accord. On est encore dans un territoire contesté. Il va encore falloir que je mette des pains dans la bouche de gens. Quoique c'est peut-être derrière de l'autre côté en fait. Chaussures quasi ruinées. Ah, ça va, il reste encore la moitié. Vous abusez. Là, on rentre dans un territoire contesté. J'avais pas une corde. Putain, je l'ai jeté. Ah, y'a bébé qui est pas content. Ah là là. C'est fini.
Est-ce que tu vois ou pas qu'il pleut, bébé? Graveur qui s'amuse avec les commandes. C'est étonnant. Putain, il y a vraiment rien de rien, quoi. Il y a des bébés abandonnés. Non, en fait, dans le jeu, ils ont créé un système pour repérer les fantômes. Les fantômes ne peuvent pas être vus par les gens standards. Et en fait, prendre quoi? Ah. Et en fait, grâce à ces bébés qui en fait sont entre la vie et la mort, tu as la possibilité de voir les fantômes. Ah ouais. Je comprends pourquoi personne voulait faire la livraison. C'est pareil, la pluie en fait elle est toxique. Elle fait vieillir toutes les matières organiques et les métaux. C'est pour ça que mes caisses sont en train de s'endommager là.
raison. Vous n'êtes pas de Fragile Express, si? Depuis 10 minutes à peu près. Je comprends. Bridges se sert de leurs identifiants pour finir la livraison. Eh ben, beau travail, fiston. Je vais vous débarrasser de ça. Le paquet a l'air... comme neuf. Incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de marchandises en si bon état. Merci beaucoup. Je sais que ça a pas dû être facile. Ah merde, on a même pas la première étoile avec lui. D'accord. Vous faites quoi dans cette... Tout le monde sait que Fragile a organisé l'attaque qui a dévasté la ville relais médiane. Il faudrait être idiot pour confier des livraisons à cette terroriste. Mais vous êtes là, à la remplacer. Vous maintenez son affaire à flot, c'est ça? Je vous jure, on peut se fier à personne de nos jours. Et pas la peine de me baratiner pour que je rejoigne votre petit réseau. Vous savez pourquoi il y a tant d'attaques terroristes ces derniers temps? Parce que vous les avez énervés, avec vos histoires de reconstruire le pays. Rejoindre les UCA. Comptant peindre une cible sur mon abri. Continuez à me livrer, et on s'entendra très bien. J'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais je dois dire qu'elles me plaisent bien, vos grenades hématiques. Du beau boulot, il faut avouer. Et c'est pas le genre de matos que les UCA devraient garder pour elles. Après tout, les porteurs indépendants manquent pas dans les parages. Si seulement je pouvais en produire à la chaîne pour équiper ces braves gens. Vous êtes des gens bien, pas de doute. Et vous m'avez apporté ma commande comme prévu. Mais il en faudra plus que ça pour que j'accepte votre proposition. Le réseau qui râle, c'est un sacré pas en avant. Mais si vous arrivez à me prouver que je peux faire confiance à Bridges... J'ai une idée. Faites une autre course pour moi. Je vais entrer les infos dans le terminal là-bas. Au travail. La boîte à outils que vous cherchez devrait se trouver dans mon ancien abri. Elle a un identifiant, alors vous devriez pouvoir y aller sans problème. Je l'ouvrirai à distance quand vous y serez. Oh, et prenez quelques-unes des grenades hématiques que vous avez apportées. Ça rend bien service quand on se retrouve acculé par des échoués, pas vrai? En espérant que ça vous arrive jamais. Ça m'arrive tout le temps. Toutes les 10 minutes à peu près. Le truc c'est que tu sais déjà que tu vas te prendre des acculés, des... Tu vas devoir affronter des spectres. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Identifiant Fragile Express confirmé.
armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Merci pour tout le monde. C'est une bonne journée. Je vais faire une pause de 2 minutes. Et je vais vous mettre une pub, donc si vous voulez les rester pour la regarder, histoire que je gagne 0€, ça serait cool. Et je reviens vraiment dans 2 minutes, hein. Je vais aller faire pipi, je vous reviens. Sa vie en jeu, c'est ça? C'est pas trop tôt. Reviens. Le vieux Baka qui met une couverture sur ses jambes. Je me rappelle pas, on pouvait accéder au casier privé ou pas? Parce que si je récupère un CCP... Ok. C'est une dans le casier privé.
Si j'avais eu accès au vrai casier, ça aurait été cool, j'aurais pu prendre une tour. Je faisais une tourelle électrique là juste à la sortie. Pour recharger les gens, mais et ça aurait aidé les gens. Donc là on passe en zone ennemie. Prenons garde. On va peut-être éviter de trop se charger. Thank you.
Putain de la céramique, quoi. Bon, il va me falloir au moins deux échelles la prochaine fois que je viens. Bon, l'avancée va être plus dure là par contre. Maintenant que mes jambes ne marchent plus. Pas mes jambes, mon exosquelette de jambes. On ne parlera pas du fait que la pluie traverse le décor. Ah, il nous faudra au moins deux échelles.
non, pas de recycler. Faut que je vienne avec la moto, que je récupère toute la céramique qu'il y a là-bas. Et qu'on refasse les routes. Vous savez, en toute honnêteté, Fragile et son équipe ne m'ont jamais causé de tort. Je leur suis même redevable. Mais s'ils se sont alliés avec Higgs, c'est qu'ils sont de la même trempe que lui, non? C'est comme si tous ces connards de terroristes se rassemblaient pour former une grande et belle famille. Le moment est peut-être venu d'en faire autant. Il reste peut-être de l'espoir, après tout. Du moins, s'il y a d'autres gens comme vous dans les UCA. L'union fait la force, non? Et une nouvelle Amérique par-dessus le marché. Connectez-moi au réseau qui râle. Un lance-bolas, j'avoue que ça... Ouais. Maintenant que vous veillez sur moi, c'est bien normal que je veille sur vous aussi. Donc, tant que vous maintenez la connexion, je vous fournirai mes meilleurs outils. Et tous ensemble, on vivra peut-être un peu plus. Au fait, regardez un peu ce que j'ai fabriqué. C'est un lance-bolas. Avec ça, vous devriez être tranquille un petit moment. C'est une arme inoffensive, bien sûr. Je
peux pas garantir qu'elle ne laissera pas de marque, mais ça, c'est leur problème. Si elle peut vous être utile, prenez-la. Un lance-bola, c'est sûr que ça pourrait s'avérer utile. Tel quel, vous pouvez l'utiliser pour immobiliser les cibles humaines. Mais si on remplace ces câbles par des liens issus de votre sang, il pourrait même marcher sur les échoués. Allez-y, essayez-le. C'est quoi sa part du marché à lui? Livraison. On se sent mieux. Alors si techniquement un lance-bola ça me dérange pas trop, les munitions elles sont où? Thank you.
joué, ça. Ça fait maintenant 2 stations de prépeurs intégrées au réseau Chiral. Plus qu'une et c'est bon. Accrochez-vous. La 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 la. Fin de l'interdiction des armes. Et je suis sûr d'avoir mis le porte-bolas sur le côté. Oh. Il y a quand même des gens qui ont monté des ponts.